pour la première, le prix Joubert. Et les voilà qui s'élancent pour le premier rendez-vous. On débute avec une listade. Le prix Joubert, 2800 mètres à parcourir. Le numéro 6, Alpen Blume, a pris un départ assez chaotique, se cabrant un petit peu à l'ouverture des stalles et se retrouvant pour le moment à l'arrière-garde, mais se rapprochant à la corde, laissant ainsi le numéro 4 au dans dernière position. Et c'est ainsi le numéro 9, Caius Corister, qui est fidèlement à son habitude, est venu s'installer en tête avec Olivier Pellier. Alors que le numéro 1, Queen Tracy, vient dans son sillage, Kazakh noir et orange, accompagné par le numéro 7, She's Cosmic, le numéro 3, See the Sky, galopant quatrième, le numéro 5, Divine Jewel, se rapprochant à son tour à l'intérieur. Alpen Blume est côté corde et vient notamment avec le numéro 2, Avenue Niel, alors que le numéro 6, Alpen Blume, est toujours à l'intérieur. Le numéro 8, Derrida, est en avant-dernière position. C'est le 4, haut de Kazakh Orange, qui est en dernière position. Les juments sont maintenant au début de la ligne opposée, avec le numéro 9, Caius Corister, qui mène toujours avec une longueur désormais devant l'as Queen Tracy, qui vient plutôt à son extérieur, alors qu'il y a dans le sillage de l'animatrice le numéro 5, Divine Jewel. On retrouve ensuite en quatrième position Alpen Blume, qui s'est considérablement rapproché et vient devant le 3, See the Sky, devant le numéro 2, Avenue Niel, suivi par le numéro 8, Derrida, alors que le 4, Aude, est toujours en dernière position. Les concurrentes qui sont derrière le petit bois, avec le numéro 9, Caius Corister, devant Queen Tracy, qui vient maintenant à l'extérieur. En troisième position à la corde, c'est le numéro 5, Divine Jewel. Il y a ensuite le numéro 7, She's Cosmic, qui vient quatrième. Alpen Blume est à la corde, See the Sky, qui vient maintenant sixième, suivi par le numéro 8, Derrida et René Pitchoulek. Toujours en retrait, le 2, Avenue Niel, et Aude, le 4, qui est monté par Aurélien Lemaître. Caius Corister, Olivier Pellier avec une demi-longueur devant l'as Queen Tracy et Christophe Soumillon, alors que le 5 Divine Jewel est troisième à la corde. En quatrième position, c'est le numéro 7 She's Cosmic. En cinquième position, Alpen Blume. On retrouve le numéro 3 See the Sky devant le numéro 8 Derrida, qui est accompagné par son partenaire venant devant le numéro 2 Avenue Niel et devant le numéro 4 Aude, qui est toujours en dernière place. Pour sortir du tournant, Caius Corister à l'avantage, Queen Tracy à son extérieur, devant le numéro 5, Divine Jewel, qui est troisième, alors que le numéro 7, She's Cosmic, est en quatrième position. Caius Corister est à la corde, Queen Tracy qui vient maintenant à son extérieur, accompagné par le numéro 5, Divine Jewel, accompagné par See the Sky également, qui prononce maintenant son effort à l'extérieur. Queen Tracy pour la victoire avec le numéro 5, See the Sky, Divine Jewel qui se défend bien, Caius Corister qui tente maintenant de repartir. See the Sky avec le numéro 5, Divine Jewel qui repart à son intérieur. Divine Jewel, See the Sky pour la victoire. La troisième place peut-être pour le 2 Avenue Niel devant Alpen Blume ou encore Caius Corister qui s'est bien relancé à la fin. Assez pointu pour la victoire à l'arrivée de ce prix Joubert. Nous avons à l'extérieur le numéro 3, See the Sky. À son intérieur, Divine Jewel. 3 et 5 dans cet ordre de préférence. Bonne fin de course à l'extérieur du numéro 2 Avenue Niel qui s'empare de la troisième place au dépend d'Alpen Blume, le numéro 6 qui est quatrième. Et pour le pic 5, peut-être l'une des favorites, hein, le numéro 1 Queen Tracy qui l'a conservé. Voilà pour l'arrivée préférentielle dans cet ordre de préférence